petit. Mais vous comptez aller vers où là? On prend la pièce derrière. C'est pareil pour la stabilisation, j'imagine. Lui il est stabilisé, mais l'inquisiteur tu sais pas où il est, donc il faut que tu le vois pour. Ouais, donc c'est. Faut qu'on aille le faire sauter sans rien. Impéria. Donc toi t'es en bas de l'échelle, tu commences à monter, t'as du monde. Bah en fait je voulais aller chercher l'inquisiteur, mais vu que je suis faible, je risque de me prendre des coups aussi. Il y a des chances. Tu sais pas ce qu'il y a là-dedans. Bah vous. Mais qui est l'abruti, pourquoi il est là-dedans? Mais qui est l'abruti, pourquoi il est là-dedans? C'est un téméraire. Oui bah là un petit peu quand même, il faut pas déconner. Je sais pas comment on va faire. L'échelle est montée sur le bon truc. Je sais pas comment on va faire. Tu sais, échelle ou pas, c'est soit tu t'en prenais 1, soit tu t'en prenais 3, donc. Bon, on viendra qu'on aura battu l'autre là. C'est marrant, c'est quand même toi qu'on a foutu le plus dans la merde d'aujourd'hui, hein. Le problème, c'est que l'autre on le voit pas, on peut pas agir. Ok. Mao. Bah oui. Maogan. Forme vraiment une équipe chaotique, hein. Ouais. Pas du tout. Sauf lui qui est loyal. Ah, je veux dire, en termes d'organisation et de. Ouais, ouais. Il est mort. Ensuite, Érémia. Venez avec moi, rentrez dans la salle. C'était peu. Voilà, je me mets juste là. Tu parles quelle langue, le coquillon? Moi? Oui. Vous entendez la voix de, bah, de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui fait allez-y, montez. Oh merde. Allez les chercher. Donc Érémia. Allez les chercher. Érémia. Oui. Donc tu fais quoi, c'est ton tour? T'entends la pièce? Non, je les couvre mes copains. Couvre mes copains là. Je sais pas comment, mais ok. Bah là je mets comme ça, allez passer derrière moi. Tu sais, t'as le pavois, t'as la porte derrière, il passe entre moi et la porte. Ariel. Je vais canaliser l'énergie positive ici. Mais il est bien quel nom. Donc dans la zone. Ah. Ben voilà, c'est sympa. Alors Dolores, oh, ça fait du bien. Est-ce que t'as exclu des. Tu les as exclus les méchants là? Oui. Bah elle a exclu celui qu'elle connaît. Celui qu'elle a vu. De toute façon les autres c'est pas bien grave. Ils ont rien pris. Mais pourquoi on n'a pas pris le corps et on l'a pas sorti, on serait pas barré? Bah parce que en fait on a décidé de suivre Rémia et lui il a décidé de ne plus rentrer dans la salle. J'ai plus parce beaucoup que... de canalisation. Mais vous allez un peu mieux, Dolores. Mais moi perso j'aimerais bien rentrer dans la salle, hein. Dans la salle laquelle? Bah celle-ci. Bah, oui bah rentre dedans, moi je couvre. J'ai mon pavois, je suis comme ça là. Vous faites rentrer? Ouais. Bien. Ouais, et vous tirez le cadavre jusque là. Je vous lis un peu un cadavre. Je vous lis un peu la salle. En gros, c'est une sorte de laboratoire boucherie. Ouais, donc il y a du sang, il y a des bocaux avec toutes sortes de trucs dans des liquides bizarres, des tissus sales éparpillés par terre et une odeur âcre de produits chimiques. Et il y a une trappe qui mène au plafond. Enfin, une échelle qui mène au plafond. Une trappe qui mène au plafond. Donc ça, c'est pour Dolores. Impéria. Je les suis. Ok, marrant. Okay. Est-ce que moi je vais mieux ou pas? Enfin, elle a fait une canalisation. Oui, ça va un peu mieux. Alors après, est-ce que ça a marché sur l'inquisiteur? Est-ce qu'il va pouvoir fuir? Ou faire semblant d'être mort? Il. Ouais. Vous voyez un type qui a l'air d'être en train de monter à l'échelle. Alors je le mets là et vous regardez surtout pas le nom. Et il a l'air de monter à l'échelle. Et vous l'avez jamais vu ce gars-là. Il ressemble pas à un bâtard ni rien. Vous êtes. Ça, on dirait un mec lambda, Anda. Il est juste un peu vert et pâle. Ça, je dis rien. Il a bu de l'acide. Je peux savoir ce que c'est. Non, pour l'instant, tu vois pas grand-chose. Et les miens. Je m'absente deux secondes. Je vais discuter un peu. Vous mourrez là. Repense à un parcours tout de suite. Bon, il va y avoir un nouveau protagoniste. Et je vais si loin. C'est la merde. On va tous mourir. On va tous mûrir. Mûrir? Ouais, quand on meurt. T'es mort. Vous savez rien pour le moment, d'accord? Vous savez rien. Oh, c'est bon, il rigole, il est pas mort. Il a le droit de participer là.
Enfin, non, il a le droit de regarder. Rémi. Bah, ce truc là, est-ce que je le vois, la saloperie là? Tu vois qu'il commence à monter, il a presque fini de monter. Ça serait bien de retenir. Est-ce que je peux savoir ce que c'est? Non, pour l'instant, vous voyez pas grand chose. Il a ça l'air d'être un humain. Y'a un truc qui monte! Il a l'air un peu vert là! Ariel. Vous rentrez dans la pièce s'il vous plaît? J'ai une question. Je suis dans la salle, c'est ça? Oui. La trappe qui est au plafond? Attends, j'ai reculé en même temps dans la pièce. Mais j'ai mon arbalète moi! C'est cette pièce là. Il y a encore quelque chose ici? Il y a pas une pièce là que vous avez pas ouvert. Ah merde, je croyais ouvert. Ah d'accord. Donc Dolores. Donc on est tous en bas. Mais j'ai une question. Il y a une trappe au plafond, c'est ça? Oui. Elle est... Le plafond, il est haut? Il est à 3 mètres. Ok, je sais pas ce qu'il y a à partir du plafond. Enfin, non, faut monter pour savoir. Ok. Position d'attaque! Position de défense. Je on a sauté. Ça fait rien. Donc tu ouvres la trappe? Mm-hmm. Ok. Tu prends un bloc transparent et tu te mets en hauteur. Pour bien montrer que tu es en hauteur. De quoi? Elle est où la trappe? Bon, vas-y. Bouchez-vous les oreilles. Je vais les boucher les oreilles. Cette salle dans la tour est pleine d'artefacts et d'étranges œuvres d'art venues de terres lointaines. Une autre échelle mène à une trappe au plafond. Il y a encore un étage au-dessus. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Il y a lui. Et je vais faire son jet d'initiative. C'est quoi cette maison de merde là? Good plan. Quoi good plan? Bah rien, t'ajoutes un monstre en plus. Donc une sorte de diablotin un peu bulldog avec une grosse mâchoire en métal. Ensuite, alors le gars en haut de l'échelle. On peut ouvrir nos oreilles? Oui. Le gars en haut de l'échelle, il arrive. Il se déplace avec une fluidité de taré. Il arrive en face de toi et... Il te fait un coup de... T'es en défense totale? Ouais. Il a un putain de paix. Ah bah oui. Bah écoute, il regarde ton bouclier en étant sur ses gardes et puis l'autre le rejoint. Il est comme ça. Eh, c'est un ninja en fait. Ensuite... Ah mais oui. El coquino. Alors comment il fait? Excuse-moi. Oui, tu as le droit de crier quelque chose. Y'a une saloperie là! Allez! Et là, c'est une question par rapport au jeu. The pricing, c'est quand les gens ils sont en... S'ils sont super état numérique par rapport à vous, c'est un plus gros bonus. Parce que là, ils sont. 4 contre 4. 4 contre 4. Il faut que quelqu'un meure. Non, y'a l'autre là qui est endormi. Il est pas mort. Il compte, non? Il est pas mort. Il n'est pas mort! Il est pas mort! Je veux bien être gentil, mais là faut pas que déconner. Parce que là il y en a deux, il y en a un ici, enfin il y en a un avec moi, et il y a le gnome, donc ils sont quatre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il a. Je peux même pas tanker, je suis en train de les bloquer derrière la porte moi. Oh, pourquoi c'est pas lui qui l'avait? Je suis en train de tanker comme un gros bâtard là. Non, bah écoute, c'est bon. Parce que là, on peut pas le faire le uprising. Donc, bah tu peux, mais t'auras bonus que de plus 1. Au jeu d'attaque, de dégâts. Ah, d'accord. C'est déjà pas mal, hein? Bah, je sais pas, moi je fais pas de décision. Je sais pas. De toute façon, t'es en face d'une bestiole qui est juste en face de toi. Et la mienne. Bon, je crois qu'il y en a qui essaient de taper sur la porte. On en discutera après. Donc, toi, tu fais quoi? Tu le tapes dessus? Alors, si tu tapes, c'est plus en défense. Ah, mais je suis en défense, moi je bloque. D'accord, tu bloques. Ariel. Ariel, elle est où Ariel? Pourquoi elle est en dessous? Parce que ma tia elle est montée. Ah d'accord. Ah bah ce que je peux faire, c'est que je leur fais jet de flamme. Il y a ton pote qui est juste. Sinon là, on peut. Là. Tu me demandes d'où faire. Ah non mais sinon on fait comme ça, non? C'est mieux là du coup. Ouais parce que. Oups. Ah non et toi? Et du coup ma tia elle est en haut. Mais là c'est deux portes de toute façon. Ah non c'est une seule. Bah non mais oui mais j'ai mon pavois devant. Tu peux préparer le sort et demander de nous pousser. Ah, je peux faire ça? Comment? Préparer le sort et lui dire « écarte-toi !» Oui, et toi, tu peux après lancer le sort au moment où il a fait son action. Ok, bah je vais t'as faire ça. T'as une action préparée.
Bon bah je prépare jeu de flamme. J'ai un écran tant que je m'en sers. Qu'est-ce que c'est la résistance aux objets? Aurèle, tu me dis quand est-ce que je meurs hein? Oui, je te le dirai. Ah, nickel. Nickel, nickel, nickel. Je vais mourir aujourd'hui. D'accord. Ok. Oh, je prends une... Donc, Ariel, tu te prépares à le lancer et dès qu'il s'écarte, donc je te sors de l'ordre et dès qu'il fait son action, de l'ORS. Moi, de là où je suis, je vois rien, c'est ça? Non. En gros, mais il y a lui qui bloque avec sa porte. Et moi qui a gueulé. Et c'est bien en bois. D'accord. Je peux me mettre au milieu des escaliers. Enfin, de la trappe. De l'échelle, ouais. Oui. Oui. D'accord, okay. Tu pourras plus descendre. Merci. Donc tu peux faire un truc d'acrobatie. Tu es sur l'échelle. C'est qui ça? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Je pouvais faire un truc d'acrobatie. Putain, pour descendre. La merde, on va tous mourir. Ah non. La partie finale. Sur l'échelle. Excuse-moi. De quoi? Hey. T'es sur l'échelle, je peux pas. Non, je peux pas du pied. Dis le pas, François. Alors t'as trouvé? Ouais, je suis en train de réfléchir. En même temps, quelle idée de monter, hein. Bah je pensais que on pouvait sortir de là parce que sinon il y avait les deux qui avaient là et je veux faire attention derrière une porte. Il y a toujours quelque chose qui se cache. Là je suis allé voir avant. Tu vois, alors ça. Conseil pour plus tard, faut pas aller dans le noir. Je te crois pas. J'adore cette fille le monstre qui a un gros souci. La petite bestiole que tu vois qui est censée avoir un arc composite. C'est une erreur de sur l'affiche mais ça me fait toujours rigoler. Donc bah, il se jette sur toi et puis il veut te mordre. Je peux faire un truc d'acrobatie? Non, c'est pas ton tour. Ah non. T'as combien de classes d'armure? T'as 18 je crois. Où est-ce que c'est? Ouais, 18. Il te rate. C'est déjà ça. C'est ton tour. J'avais mes deux armes de sortie. Ah non, là tu es en train de monter une échelle. Oui, donc à la rigueur, t'en as une en main et basta. Ok, bah j'ai ma rapière. Tu tapes dessus? Je suis obligé. Alors, est-ce que c'est une RD cette connerie? Vas-y, fais ton jeu. 11 plus 8, 19. Alors, 19, ça touche. Quoique, je dois faire moins 1. C'est pour les dégâts seulement. Ok. Ça touche, donc dégâts, c'est 1 des 10. 6 plus 1. Eh, on communique pas. Bon bah ça ouais, fait 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc moins 1, ça fait 1. Ça fait 1. Eh bah c'est déjà ça. Ensuite, bah écoute, tu vois le gars, il est comme ça. Il fait claquer ses mains et... sur ton pavois. Donc pour le jet de toucher ça pose pas de problème, maintenant c'est les dégâts. Il a pété son pavot? Bah il est en train d'essayer. Et il a l'air motivé. Bouché, Matrix. Je lui ai ouvert la tête, tu vas voir. Pousse-le avec ton pavot, non? J'avance, dans l'acide. Ah je pourrais faire ça. Avance. Tu mets dans l'acide. J'ai l'impression que c'est quelqu'un formé d'acide. Ah ouais, si on le pousse. Dans l'acide. Il va tomber dans l'acide. Il est en train de taper sur ton pavois. Et il est en train de... Alors je vais marquer là, pavois. Plus que 1 CV. Ensuite... Et Rémir, il est en train de... Tu sens que c'est en train de s'abîmer, se fissurer. Là, attention. Prépare-toi. Et je m'écarte là, et je... Hop là. Et... Ah, il doit faire un jeu de réflexe, c'est ça? Ouais. Il peut faire un jet de réflexe en tombant dans l'acide, hein, moi ça oui. Me gêne pas. Ah mais je sais ce qu'il va faire lui. Parfait. Allez, casse-toi. Il est pas con le mec. Jet de réflexe, DD combien? Attends, c'est trop. Pourquoi je vais faire un jet de réflexe DD. Non, pas toi le monstre. Non. Les feuilles sont complètement mélangées, c'est catastrophique. C'est la merde, c'est trop la merde, c'est n'importe quoi. 10 et 1 et. C'était 13, n'est-ce pas?